Visage fermé devant les caméras, Héctor Trujillo vient d'apprendre sa condamnation à 8 mois de prison par une juge fédérale américaine. L'ancien patron de la Fédération guatémaltèque de football est accusé d'avoir accepté, avec d'autres responsables, quelques 400 000 dollars de pots de vin. C'est la première condamnation du FIFA Gate, l'immense scandale de corruption qui éclabousse la Fédération internationale de football depuis 2015.